J'ai plus de 100 clients particuliers que j'ai suivis soit en accompagnement individuel, soit en atelier. Voilà, parce que les ateliers fonctionnent bien aussi. Tout est parti d'un constat, c'est que j'ai vu beaucoup de collègues en difficulté. Donc j'étais manager, donc mentalement et au niveau de leur santé. Et j'ai vu aussi pas mal de collègues à l'inverse toxiques, des managers qui n'étaient pas très très bons. Mon projet est né de comment je fais pour aider les managers. Un, manager mieux pour ne pas générer de stress. Et deuxièmement, de l'autre côté, résister au stress et puis se sentir bien. Voilà, c'était ça ma volonté. La communication apéro. C'est-à-dire que j'ai recruté mes bêta-testeurs vraiment en échangeant sur ce que je faisais dès le départ, dès le premier cours, à tout le monde, partout, à la boulangerie, au cours des apéros, c'est pour ça que j'appelle comme ça. Très rapidement, des personnes m'ont dit qu'elles étaient intéressées dès que j'étais prêt et voulaient bien démarrer avec moi. Et avant, bien sûr, j'ai pris quelques mois pour construire mes accompagnements, pour construire mes formations en nutrition, en gestion de stress, en tout cas mes ateliers, puisque je veux m'adresser aux entreprises, donc je voulais faire des ateliers de groupe. J'ai mis 4-5 mois, peut-être un peu plus, à construire tout ça. Et en septembre 2023, j'ai commencé à attaquer les entreprises elles-mêmes. J'ai plus de 100 clients particuliers que j'ai suivis soit en accompagnement individuel, soit en atelier. Voilà, parce que les ateliers fonctionnent bien aussi, parce que les personnes peuvent échanger. Et puis, j'ai vendu pour l'instant une quinzaine d'ateliers en entreprise. Et ça fonctionne très très bien en entreprise, voilà, auprès des managers. C'est plus rentable. De mon point de vue, il y a une opération qui est plus rentable, on touche plus de personnes. Et moi, personnellement, j'adore m'adresser à des groupes. C'est passionnant, il y a des interactions, c'est vraiment génial. L'accompagnement personnalisé, j'en fais de temps en temps, j'en fais de moins en moins. Ça me passionne aussi. Mais vraiment, l'effet d'équipe, l'effet de groupe est passionnant. Et en termes de facturation, ça n'a rien à voir. On peut facturer un atelier d'une demi-journée plus de 500 euros. C'est intéressant, d'autant plus que cet atelier, on le prépare. Alors c'est sûr, il faut quelques mois pour le préparer, il faut le tester, il faut le roder. L'énergie à dépenser pour le mettre à jour est faible finalement. Profiter au maximum de tous les ateliers, les cours, les liens, fouiller, creuser, parce que c'est ce qui permet vraiment d'aller au fond des choses. Il ne faut pas hésiter, faut prendre le temps pour ça. Bien sûr, je reviens dessus, parlez-en autour de vous, partout, tout le temps, tout le temps. En en parlant, c'est bien, bon, pour les bêta-testeurs, on l'a dit, ça permet aussi d'avancer dans le nouveau vous. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Plus j'en parlais, parce qu'on est challengé forcément, plus j'ai progressé là-dessus.